Toi, démon, je m'adresse à toi maintenant même. Voilà la puissance qui est dans le nom de Jésus, de Nazareth. Voilà la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Le feu sur toi, lâche-le, quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie dans le nom de Jésus. Tu le libères maintenant même. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Son avenir, c'était quelqu'un qui devait devenir ingénieur agronome. Et que la sorcellerie a gâché. C'est un jeune homme qui était né pour avoir l'argent intelligent, mais la sorcellerie a caché toute sa vie. Vous le lâchez au nom de Jésus. Lâchez-le. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Tu es là. Va. Va. Va-t'en. 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 Si, va-t'en. Va. Allez. Feu. Allez, feu. Allez, feu. Feu. Allez, feu. Le feu. Le feu sur toi. Le feu. Comment aller? Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Consume tes œuvres dans ce corps. Le feu du Dieu consume tes œuvres. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Consume tes œuvres. Comment? Allez. Feu. Allez, feu. Feu, feu, va-t'en, va-t'en, lâche, va-t'en, allez, feu, va-t'en, va-t'en, au nom de Jésus, soyez, va-t'en, quitte sa vie, quitte sa vie, quitte sa vie, lâche, 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 tu vas partir, c'est un ordre, 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 tu vas partir, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comment? Feu sur toi. Va-t'en. 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 Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Voilà, quitte sa vie. Va. Va. Va-t'en. Tu vas partir au nom de Jésus. Tu vas quitter ce corps et maintenant, c'est un ordre. Lâche-le. Au nom de Jésus. Va-t'en. La puissance du Saint-Esprit écrase ton pouvoir dans ce corps. Oui. Ton pouvoir est neutralisé. Tu es vaincu à jamais. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu es vaincu au nom de Jésus. Tu lâches sa vie. Lâche-le. 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 Au nom de Jésus. Lâche-le. Maintenant même. Tu le libères. Tu le libères. Au nom de Jésus. Tu le libères au nom de Jésus. Lâche-le. Va-t'en. Allez. Va-t'en. 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 Lâche-le. Tu quittes sa vie. Tu quittes sa vie. Maintenant même. Dans le nom de Jésus. Maintenant même. Le feu chez toi. Depuis sa tête jusqu'en des plans de ses pieds dans tout ce corps. J'invoque le feu du Saint-Esprit. La puissance de Dieu. Neutralise vos pouvoirs dans ce corps. Et vous le lâchez maintenant même. Vous le libérez maintenant. Allez, va-t'en. Va-t'en. Fais. Comme. Lâche-le. 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 Vous libérez sa vie. Si vous lâchez sa vie, lâchez-le. 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 Maintenant même. Jésus. Jésus te délivre. Jésus te délivre. Jésus te délivre. Jésus te délivre. Comment. Fais. Allez, fais.
Jésus te délivre. Jésus te délivre. Jésus te délivre. Jésus te délivre. Comment? La puissance de Jésus-Christ te libère. Sa puissance te libère. Sa puissance te libère. Sa puissance te libère. Comment? Le feu sur toi. Le feu du Saint-Esprit. On sent tes œuvres. Le feu consume tes œuvres dans ce corps. Le feu consume tes œuvres. Lâchez-le. Lâchez-le. Vous allez partir. Lâchez-le. 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 C'est un arbre. Vous libérez sa vie et maintenant même. Vous libérez sa vie et maintenant même. Lâchez-le. Vous allez partir. Lâchez-le. Lâchez-le. Dans tout ton corps, la puissance de Dieu. Dans tout ton corps, la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te déloge. Toi, démon, je te déloge. Je te déloge. Je te déloge. Je te déloge. Tu pars. Maintenant. Pars! Pars! Le feu sur toi. Je te déloge. Je te déloge. Lâche-le. Le feu dans ses pieds, le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu dans ses pieds. Le feu dans ses pieds. Le feu dans ses pieds. Le feu, le feu, le feu dans sa poitrine. Le feu dans sa poitrine. Vous quittez ce corps. Va-t'en. Allez, allez, lâche-le. Feu, feu, allez, feu, 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 feu. Vous les libérez, vous les libérez. Vous les libérez. Allez. Partez. Allez. Partez. 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 Lâchez-le. Voilà. Libérez-le. Libérez-le. Au nom de Jésus. 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 Vous les libérez. Vous les libérez. Maintenant. 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 Au nom de Jésus. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Dans tout ton corps. La puissance de Jésus. Te libère. Sa puissance 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 te libère. La puissance de Dieu te délivre maintenant. Maintenant. Lâche-le. 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 Au nom de Jésus. Lâche-le. Lâche-le. Voilà. Va-t'en. 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 Au nom de Jésus. Va-t'en. Le feu sur toi. Le feu. Cet esprit consume tes œuvres dans ce corps. Le feu consume tes œuvres dans ce corps. Lâche-le. Lâche-le. Au nom de Jésus. Vous le libérez maintenant même. Vous le libérez et maintenant même. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pars. 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 Et quitte sa vie. Quitte sa vie. Il y a un crapaud en lui. Il vit avec le crapaud. Il fait des crises d'épilepsie. Il fait des crises d'épilepsie. C'est ça? Ok. Ok. La puissance de Jésus te délivre maintenant. Jésus te délivre maintenant. 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 Amen. Pendant que je parle avec les gens, touchez-moi la caméra. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. Jésus te délivre. Jésus te délivre.
Jésus te délivre. Tu vas partir maintenant. Tes heures sont comptées. Tu vas partir. Tu vas quitter sa vie. Tu vas quitter et libérer ce corps. Tu vas le libérer dans le nom de Jésus. Tu vas partir au nom de Jésus. Il fait l'église de l'épilepsie, c'est ça? Bien. Comment ça se manifeste? La puissance de Jésus te délivre. Jésus te délivre. Sa puissance. Amen. C'est fini. Tu peux aller s'asseoir, c'est bien. Voilà, c'est fini. Liwaou, Alpazia, Liwaou. Oh,
Album sur le marché, il voit rien. Voilà, c'est ça va sortir très bientôt. Je suis allé avec le pasteur Serge pour boucler deux jours de studio. Nous avons bouclé le studio jusqu'à lundi. On va commencer déjà. C'est le morceau de l'album compose 6 titres. Les titres vous connaissez déjà. Donc très bientôt, nous allons essayer de sur le marché. Et j'irai avec ça en Europe pour une tournée. J'informe en même temps toute la diaspora. Ma prochaine venue, ça sera en Allemagne. Et pour dire à tous, vous voyez le frère Ambou, plutôt Denis Dambou, celui qui est chargé d'organiser, parce que je vais descendre d'abord sur l'Allemagne, dans l'Allemagne pour un grand concert. C'est un grand concert, en même temps celui des délivrances cette fois-ci. Grand concert, on va partir de l'Allemagne, visiter beaucoup de villes allemandes. Et après ça, nous aurons l'occasion de revenir sur Paris par la grâce de Dieu. Mais le frère Ambrou, le frère Denis Dambou qui coordonne, demain j'aurai l'occasion de vous donner encore beaucoup d'explications sur ma prochaine venue sur l'Europe. Je pars en Europe pour sensibiliser les gens, pour les amener à revenir en Afrique, ne pas avoir peur de l'Afrique. Parce que l'Afrique a besoin d'eux, l'Afrique a besoin de se développer. C'est ça un peu nos combats que nous menons d'ailleurs. Il ne faut pas que les gens aient peur de l'Afrique. Il ne faut pas que les gens aient peur d'aller construire dans leur maison, dans leur village. Or, c'est ça la sorcellerie. La sorcellerie freine au développement, empêche les villages et les villes de se développer, qu'empêche aussi l'Afrique de se développer. Donc, je reprends mes activités, nous allons reprendre. Et puis, par la grâce de Dieu, je pense que je viendrai avec mon équipe pour que je sois encore plus à l'aise, mon pianiste, mes batteurs, pour que ça soit souligné, pour avoir beaucoup de succès. Je serai en Allemagne, basé d'abord en Allemagne. Quand je pars en Allemagne. À partir de l'Allemagne, on va essayer de coordonner toute l'Europe. Parce que la première fois, c'est vrai avec... je n'étais pas d'abord d'Italie, mais on va partir d'abord de l'Allemagne pour bien coordonner la chose. Ça ne veut pas dire que j'ai laissé l'Afrique. Hein. Je suis un bon Africain. Amen. Amen. Il faut que nos parents reviennent. Amen. Amen. Et ça m'a fait du bien, mon voyage. Voilà. Ça m'a permis d'entrer en contact avec les gens qui avaient peur. Ils ont peur parce qu'ils ont vécu des expériences en matière de sorcellerie. Ici, ces gens-là restent là-bas, ils ont des grandes connaissances. C'est des gens qui ont des grandes sociétés et tout ça. Je connais un frère qui était dans ma salle la dernière fois. Il est même là, il est venu de Paris. Il est là. Il a aussi une société de gardiennage à Paris. Voilà, c'est la société, il est là. Il a une société de gardiennage à Paris. Il est venu. Voilà, il faut que nous arrivions à sensibiliser nos parents qui ont investi en Europe, qui doivent aussi investir en Afrique. Or, s'ils ont peur de la sorcellerie, ils ne viendront pas. Donc, notre ministère, c'est apporte le développement. Nous sommes, moi, je suis un agent, ce qui est dit aux gens. C'est vrai, le prophète Crasson, je suis un agent de développement. Quand je parle avec eux, j'ai l'Afrique dans la tête et l'Afrique doit se développer. Voilà, l'Afrique doit se développer. C'est ça, celui qui me combat est un grand sorcier. Voilà. Oui, si, si. Parce que nous avons un objectif bien précis, c'est éradiquer la sorcellerie et permettre aux gens de vivre librement leur vie. Ils ont des moyens, il y a des gens qui ont l'argent, ils ne peuvent pas profiter de leur argent parce que les sorciers gagnent l'argent. Comment tu peux manger un enfant, moi, puis le manger? Avec sauce tigriti. Sauce tigriti, sauce grec, aménager sauce grec. Comment tu veux manger un enfant sauce tigriti? Il dit non, c'est resté dans ma gorge. Mais ça allait rester où? Si l'enfant est fait pour manger. Tous les poissons, mangent pour marcher. Et tu laisses tous les viandes. Et c'est l'enfant qui mange. Un sauce tigriti. Que Dieu nous aide. Amen. Non, c'est méchant la sorcellerie. Nous sommes toujours dedans. Nous savons comment des fois la sorcellerie fait assez de ravages. Imaginez-vous aujourd'hui les dégâts de la sorcellerie. C'est ce que vous ne savez pas. Nous, quand nous assurons, c'est les calculs que nous essayons de faire. Ceux qui n'ont pas été démasqués, ils continuent de faire les dégâts. Et ils sont aussi au travail. Ah non, c'est qu'un sûr travail. Et ils aimeraient que vous les ignorez. C'est ça. Quand on les ignore au maximum et qu'ils travaillent. C'est le système. Ah non, laissez en faire de ça. C'est dangereux. Plus on laisse les sorciers. Au fait, il y a tuerie. Écoutez très bien la dame parler. C'est pas parce qu'elle fait exprès. Elle a une bête qui se nourrit pas de pissable, ni de truite, mais du sang humain. Et la bête me dit, chérie,
J'ai faim. J'ai faim. Va manger Zadi. Il boit le sang de Zadi, il est mort. On dit les morts d'anémie sévère. Oh, ils ont bu son sang. La science, face à certaines situations, reste incapable. Souvent, la science réagit, il ne peut pas réagir parce qu'il se dit non, ça ne les dépasse souvent. Voilà. C'est pour ça que nous sommes d'autres, nous sommes révoltés contre la société. On ne doit pas vous manger, franchement. On ne doit pas vous détruire. Laissez les gens vivre leur vie. Laissez les gens. C'est ce qu'il dit à ces enfants bruteurs-là. Qui vous a dit d'aller bruter? Allez, mais laissez les gens vivre leur vie. Les gens mettent leurs enfants au monde, vous prenez les enfants, vous partez les sacrifier et vous voulez être en paix, vous voulez dormir. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. C'est vous qui ne croyez pas en Dieu, sinon Dieu existe. Sinon Dieu existe. Respectez les êtres humains. Respectez les êtres humains. Ils sont en train de vivre leur vie. Ne gâchez pas la vie des gens. Les gens ont l'âge de se marier, vous venez gâter le mariage. Vous gâtez leur argent. Ils savent même plus où mettre la tête. Que Dieu nous aide. Amen. Je me suis très bien reposé. Demain là, même s'il est, il dit quitter où pour venir dans ton corps, il va partir. Amen. Voilà. Même si des conteneurs, si c'est des dizaines de conteneurs de maladies dans ton corps, ça va partir. Amen. Il y a trop d'énergie. Amen. Amen. On va les matraquer. Je vais donner un petit secret. Il faut qu'il tombe. Ouais. Amen. C'est parce que j'ai Jésus. Soit il y a trop de choses, les gens font autour de moi. J'ai Jésus. Amen. Aucun sorcier. J'ai vu ta tante, c'est pas toi, on a délivré ta soeur mince. Où elle est? Elle est dragonnier aussi. On a tous les dragonniers ici. J'ai vu ta tante à Paris, à Saint-Denis. Une fois qu'elle avait l'argent. Elle n'est pas des millions en euros que j'ai donné. Elle est devenue zéro. Zéro. Elle m'a dit, hey, tu sais la vidéo, la femme, elle dit, c'est qui est une mince. Mince. Ouais, les dragues, ouais. Viens. Regarde, c'est la vie, la femme. Bonnie, c'est maladie. C'est la première vidéo. Tu souris. C'est comme ça. La femme, tu es allée à Paris et puis tu as gâté son mariage. Elle est venue. Hein? Sans état d'âme, ça veut dire ce que j'en ai de dire. Hein? Tu viens quoi? Quoi? Tu étais là quand il a ouvert. Tu dis c'est vrai. Et là, toi, et puis la femme. Tu couches avec elle là? Hein? Hein? Oui. Mais, hey, faut parler ou bien c'est pas là? Non, tu couches avec elle? Oui. Tu vois là, vous voyez la dame. Elle peut l'entendre dire oui, je couche avec elle. Non, c'est pas lesbienne. Non, elle n'est pas lesbienne. Elle a un pénis. C'est spirituel. Elle n'est pas comme les lesbiennes, excusez-moi. Elle fait comme l'homme. Non, elle devient homme. Vous pensez ça fait. Non, elle. Ah, attends, il dit que toi, tu es lesbienne. Faut expliquer. Comment tu fais? Non, moi, je ne suis pas lesbienne. Ah, tu es quoi? Je suis femme. Hein? Femme. Elle est femme, puis les garçons. Il faut expliquer ça avant de bien comprendre. Bon, quand je dis une femme et garçon, ça vous dit que non. Bah, là-bas, moi, je suis garçon. Il y a Kiki en bas de moi. D'abord, quoi? Il y a Kiki en bas de moi. Ça, Kiki, c'est combien? C'est comment ça y est? Combien de mètres? Tu peux montrer, c'est plus juste. Vous couchez comment? On est Kiki de sorcellerie, vous pensez que vous jouez ça? C'est pas un jouet? Comment ça est? Comme de quoi? Montrez-vous. Ça quitte ici? Vous arrivez là?
Mais vous voyez, on dit c'est pour sorcellerie. C'est pas un jouet. Oui, mais elle a qu'à jouer ça. C'est pour sorcellerie. Puis on va avoir ma petite. C'est Gaïa comme ça. C'est ça que les femmes, elles ont beaucoup de mots. Mots de vente. Pas vente. Et là, attitude, les gars. Et tu quittes ici et tu vas l'embrasser, tu fais ça là-bas. Hein? Oui. Une très belle femme. Tu as gâché son mariage. Oui. Comment elle s'appelle? Votre tante, comment elle s'appelle? Hein? Yahou Sabine. Yahou Sabine, tu es parti comment là-bas? Je suis transformé. Parle bien. Je suis transformé. Tu fais quoi? Tu fais tes yeux de façon. J'ai de quoi? Vous non, je n'ai pas de nom. T'as yeux d'abord. Non. Tu as fait comment, quoi? Allez, parlez, tu fais. Vous parlez. Je me suis transformé à Ibou. Et vous? Tu as fait combien de temps là-bas? Tu es pour aller là-bas? Pour aller là-bas, il y a un peu. C'est Ibou là, il ne faut pas me prendre. Mais tu es arrivé, tu as fait quoi? Je suis arrivé, je suis descendu à Sambou. Maintenant, quand je suis descendu à Sambou, parle fort. Je suis descendue à sa maison. Maintenant, quand je suis arrivée là-bas, elle dormait. Et là, je suis ouvrie dans son caca et puis, elle a eu la robe de mariage. Tu as pris la robe de mariage. Tu as gâté son mariage. Effectivement, c'est comme ça que s'est passée l'histoire. Donc, vous voyez, si nous ne partons pas avec les victimes, il sera difficile. Voilà, il sera difficile. Malgré tout, elle a eu peut-être 5 minutes avec moi. J'étais tellement pris en France. Et je l'ai bien regardé. Elle est en plus malade. Elle est en plus malade. Et j'ai demandé qu'elle vienne ici. Je pense qu'elle aura un bout de temps. Mais nous allons achever le travail. Ça va? Oui, papa. Et le dragon? Papa, c'est parti. Vous avez une question dans votre famille, mais c'est grave. Ok, va. Vous regardez. Regardez-moi ici. Que Dieu vous aide. Amen. C'est le travail. C'est pour qu'on se débarrasse de tous ces méchants. Sinon, ils vont tout manger. Ils vont gâter les gens. Ceux qui doivent développer la Côte d'Ivoire demain. Et l'Afrique va perdre ses valeurs. Que Dieu nous fortifie. Amen. Voilà. Tes démons vont partir demain au nom de Jésus. Amen. Cette nuit, priez. Invoquer la grâce de Dieu. Il n'y a pas quelque chose, un miracle que Jésus-Christ ne peut pas opérer. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. L'auteur de miracles, c'est Jésus. Je vous ai dit tout à l'heure, celui qui est l'auteur de miracles. Comptez celui. Ce n'est pas le crasso qui va te délivrer. C'est Jésus. Demain, toute la matinée jusqu'au soir, ce serait la série de délivrances. Je reprends mes activités. Ce qu'on appelle, c'est ce qu'on échantillon. On a voulu chasser des démons. Les démons, ils ont voulu qu'on les chasse. Les démons, là où ils sont, on doit les chasser. Une église où on ne chasse pas les démons, ils sont là. Non, nous, on prêche seulement la parole de Dieu. Et les gens possédés. Ceux à qui tu prêches, ils ont des démons en eux. Vous voulez prêcher aux gens possédés. Le gars, il dort la nuit, il mange, arrête. Il bouge, tout son arrière se gâte. Tu vas lui prêcher quoi, et puis ça va rester. Non, nous, on ne chasse pas les démons, on prêche. C'est connu. Jésus-Christ n'a pas fait de prêcher. Il chassait les démons. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront les démons. Revenez à la parole de Dieu. Revenez à la parole de Dieu.
Parce qu'il prêche, maintenant, guérir les hommes de Dieu, il prêche. Et puis, il n'exerce pas le ministère de la délivrance. J'ai tout de son ministère. Vous laissez ça, des mondes dans l'école. Non, c'est bien sûr, nous on prêche seulement. Vous finissez de prêcher, celui-là qui t'a prêché là, quand il s'en va à la maison, il va se retrouver dans une sauce du blé. Mais tu n'as pas pris comment se défendre. Tu l'as demandé, non, il n'a qu'à marcher bien, sinon il va aller en enfer. C'est tout. Or, le sorcier là-bas. On a l'impression que l'église est plus efficace. À Paris, c'est un système que les gens ont mis en place. Chaque mois, chacun doit payer sa vie. Donc, on te poursuit. Tu veux pas bien à l'église, mais dîme là, tu vas payer. Ça va se forcer. Il n'a pas dit aux gens, il fait dîme. Mais c'est quoi ça?